Bye, chambre. Ciao, man. Yeah, nice being here. This was nice here. Thank you very much. Ciao. Bon matin tout le monde. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à voir la vie vue de mes yeux. Je pense que je fais la même intro qu'hier. Je suis dans la même rue en tout cas. Mais on s'en va à l'aéroport. C'est rendu comme ma deuxième maison, l'aéroport. Je pense que ça va être officiellement la 9e ou 10e avion que je prends depuis le début du voyage. Mais je sais pas pourquoi, je trouve ça relaxant d'aller à l'aéroport. C'est bien. Surtout que là, on a 1h30 de vol à faire. Donc on arrive à 10h à Denpasar. Ensuite, Denpasar, mon vol pour Lombok part à 10h55. Donc j'ai 55 minutes pour sortir, re-rentrer à l'aéroport, aller chercher mon boarding pass. Donc ça va être quelque chose. Là, il faut que je trouve un taxi pour m'amener à l'aéroport. On essaie de trouver ça maintenant. OK? Yeah. Bon, on est à l'aéroport, je viens de passer à la sécurité. Si vous êtes de nature observateur, vous avez pu remarquer que j'ai un nouveau sac. Ouais, un nouveau sac. Je savais pas qu'on pouvait avoir deux sacs dans la cabine, donc j'ai décidé d'acheter un deuxième sac étant donné que j'ai vu qu'on avait le droit. Je mets toute mon électronique, donc quand je passe la sécurité, c'est tellement plus simple que quand on a ça dans le gros sac ici. Donc j'ai juste enlevé l'ordinateur, la caméra du sac, je mets ça sur le plan, le tapis, et puis tout est beau. Puis je vais vous montrer autre chose aussi. Donc j'ai mes deux tickets pour un pour direction Denpasar et l'autre Lombok. Donc si l'avion est à l'heure, je devrais arriver à 10h. Puis si on regarde sur l'étiquette pour l'avion pour Lombok, 10h25 le boarding time. Donc j'ai 25 minutes pour me rendre. Je devrais être correct. Un bon petit café à l'aéroport. Ça coûtait 4,50. Je trouvais que c'était cher pour un café, mais au moins il y a un petit muffin qui vient avec. Santé à vous! L'avion est à l'heure, mais là, mon avion board dans 25 minutes. Transfert. Yes, je pense c'est par là. Donc on y va. Vous vous souvenez les deux Allemandes que j'ai rencontrées, mes voisines de chambre? Ben, ils sont à l'aéroport présentement, sauf qu'ils prennent pas le même vol que moi, ils prennent le vol juste après moi. Donc je vais les attendre rendus à l'aéroport à Lombok pour prendre le taxi avec eux parce qu'on est dans le même hôtel. Sinon, bonne nouvelle, on va être à l'heure. Donc mon vol s'en va bientôt. On se revoit à Lombok. Arrivé à Lombok, on va attendre les deux filles. Je sais pas où est-ce qu'ils vont arriver. D'après moi, c'est par la même gate. Ensuite, on s'en va à Koh Tao. Bon, j'ai une heure à attendre. Faut qu'on va essayer de se rendre productif puis on va éditer le vlog d'hier. Yeah! Hi! How are you? Vous avez manqué ça, toutes les personnes en dehors de l'aéroport, tous les taxis vous accrochent pour qu'ils vous prennent leur service. Puis t'essaies d'avoir le même prix, mais ils gardent toujours le prix, donc. Mais c'est la vie, c'est juste drôle. On va suivre le taxi, on s'en va à l'hôtel. Thank you.
down, Dustin. Yeah, for sure. Cool, thanks, man. Yeah, you're welcome, my friend. Thank you. Tomorrow, you want breakfast in the top. Yeah. Oh, okay, cool. Yes. Perfect. That's 7:30 until 11:30. Okay, thank you very much. Wi-Fi. 7:30 to? 7:30 until 11:30. Okay, cool. Yeah. Perfect. And the Wi-Fi is there? Yeah, yes, sorry. It's there. Thank you. It's Wi-Fi is not connect because power off. Okay, now the power is off. Yeah. Okay, cool. No problem. Yeah. Thank you very much. Cool. Belle petite chambre. Bien. J'aime bien l'extérieur. Il y a beaucoup de fourmis, mais bon. On va faire avec. Bon, on va s'installer, ben bref, c'est juste presque en fait. Bon, c'est cool, juste à 2 minutes à pied de mon restaurant. Ah, de mon restaurant, de mon hôtel, il y a un petit restaurant de burger. On va manger des hamburgers. Puis la plage, que sur Google, ça dit que c'est 12 minutes de marche. Donc c'est pas si mal non plus. C'est un restaurant là-bas aussi. C'est un bel petit endroit, c'est beaucoup plus calme que Denpasar. Et même que je trouve que Luambanjo, sauf que c'est moins condensé. C'est vraiment cool comme endroit. J'aime bien, Adèle. On s'en va manger. Les hamburgers ici sont tellement mieux que la maison. Le dîner était bon, maintenant allons découvrir la ville de Kuta. Je pense qu'à la plage on a 12 minutes de... En fait, je dis on a 12 minutes à faire. On va voir si c'est vraiment 12 minutes. Mais d'après moi ici, je vais me louer un scooter parce que... C'est vraiment nice comme ville, ça me fait penser un peu à Med. C'est... La beach, un petit peu de magasin. Mais je trouve que c'est un peu plus beau qu'à Ahmed. Je sais pas c'est quoi, mais ils ont même du pavé uni par terre. Non, c'est bien comme endroit. Mais beaucoup de touristes, sauf que, étant donné que c'est très grand, il y a pas plein de touristes au même endroit. Donc c'est bien. C'est bien. J'aime bien. La journée commence enfin, c'est vraiment cool, je viens de me louer un scooter pour la semaine. Ça coûte 35$ pour la semaine, c'est bien. Puis je sais pas, je vais s'arrêter sur le bord de la route parce que j'ai vu ces genres d'animaux-là, je sais pas c'est quoi. C'est comme une chèvre géante. Quelle idée, c'est quoi le nom? Ça focus pas, focus. Mais ouais, c'est vraiment cool et quand vous... Oh. Wait a minute. Quand vous venez à Lombok, surtout à Kuta, il faut vous louer un scooter parce que oui, c'est le fun, tout est proche, mais il n'y a rien vraiment à faire à part les plages et tout. Et puis, c'est pas comme à Sanaa où il y a plein de monde qui conduit n'importe comment. Ici, c'est vraiment smooth, c'est facile à apprendre. Moi, c'est ma deuxième fois que je fais du scooter à vie, mais c'est vraiment cool. Donc là, il est 3 heures, je pense que c'est le lever de soleil qu'on voit ici. C'est pas le coucher, mais en tout cas, il est juste 3 heures de toute façon. Qu'on se voit tant plus tard. C'est mon scooter pour la journée, on va le barrer. Yeah. On vient à la plage comme toujours au coucher de soleil. Le coucher de soleil il est pas laid, mais c'est pas l'endroit parfait. On peut le voir dans le fond ici. D'après moi, ça va le lever du soleil demain. Peut-être demain je vais me lever tôt pour venir voir le lever du soleil. Je sais pas. Mais mes amis sont ici, mais je sais pas où exactement. Donc, on va se promener. Je viens d'acheter un nouveau chandail. Billabong est un peu trop grand, mais c'est pas grave. J'aurais tellement dû me louer un scooter plus vite, plus rapidement que ça. Là. C'est tellement fou rouler en scooter, surtout qu'ici tu peux faire du off-road avec les scooters. Là. Littéralement, genre, tu te promènes dans du sable. C'est vraiment cool. Je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur avant, mais c'était vraiment facile à conduire. Là. Je vous conseille, si vous venez à Bali, là, venez avec un scooter, à louer un scooter. Vous n'avez pas le choix. Là. C'est... Vous pouvez vous promener un peu partout, comme les prochains jours, je vais faire des road trips. Des scooter trips, qu'on va appeler. Un peu partout dans Bali. Ça va vraiment être nice. Et des belles petites plages ici. Bon, on a eu une grosse journée, gang. On va. Demain, je pense que je vais venir ici voir la plage. Parce que on a une grosse journée. Demain, on va faire autre chose. Je sais pas quoi encore. Fait que revenez me voir demain. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, appuyez sur le petit bouton rouge. Abonnez-vous. Puis, on se revoit demain pour une nouvelle aventure. Ciao, gang.